Attention! Dites, vous n'avez rien, pas vrai? Venez, plus vite. Regardez, maintenant c'est ici que vous dormirez. Enfin, nous dormirons. D'accord, d'accord. Écoutez le plan. Écoutez, vous restez et moi je dois me rendre à Amritsar parce que mon état empire chaque jour. Je suis presque mourante et mes jours sont comptés désormais. D'accord? On m'a diagnostiqué un cancer. Oh, mais c'est juste pour les embobiner. Mais c'est de crise cardiaque dont tu parles dans la lettre, pas vrai? J'ai changé le plan au final. On sait tous que cela se soigne et que les frais sont raisonnables, hein? Mais le cancer est une maladie plus grave. Il faut beaucoup dépenser pour guérir. C'est mieux si j'ai un cancer. Et nous sommes à court d'argent. Je suis très malade et je vais même mourir bientôt. Et donc... vous croyez que toute cette histoire est vraie ou quoi? Je ne suis pas malade et je ne compte pas mourir. Je vous raconte tout ça pour vous préparer. Et puis, écoutez bien cela. Sachez que vos parents ont eu un grave accident. Ils sont dans le coma maintenant, compris? Quoi? Oh non! Vous jouez aux idiotes. Ce sont des histoires, voyons, des mensonges, c'est faux. Ouh! D'accord, Piti! Quoi? Toi, tu n'as rien compris du tout. Tu sais pourquoi mamie dit tout ça? Parce que comme mamie a le cancer et qu'ils diront que nous devons toutes retourner avec nos parents, tu ne veux quand même pas y retourner dans cet endroit sans avenir pour nous, pas vrai? C'est pour cela que mamie fera semblant que nos parents sont dans le coma. Quelle bonne idée, mamie, tu es trop intelligente, je t'aime. Merci les filles, et l'intelligence doit être préservée du mauvais œil. D'accord, une dernière chose, je vous ai parlé de cela en toute confiance car vous êtes mes petites filles. Et cette Tanojia n'est pas de notre famille, c'est juste une servante, elle viendra juste pour nous servir, d'accord? Oui, c'est méchant, mais maman m'a demandé de séduire Nakul. Mais pas notre mamie. Elle est intelligente et a aucun stress au plan toute seule. Mamie, t'es trop forte, trop forte. Mamie? Oh non, cette maladie! Elle me tuera un jour. Je mourrai. Je sens que je vais mourir. Quoi? Oh mon Dieu! Je ne sais plus ce que l'avenir peut me réserver maintenant, mes petites. Je suis inquiète pour votre avenir. C'est pour cela que je vous ai toutes emmenées ici. Au moins ici, j'ai une famille. Et ils vont s'occuper de vous. Et subvenir à vos besoins. Mes grand-mères? Je ne veux surtout pas vous laisser seule. Je resterai avec vous. Une minute. Il faudra que vous restiez ici. Nous devons retourner à Amritsar, pas vous. Vous savez, tout le village s'est même retourné contre nous. C'est non. Mais ne t'en fais pas, ma fille. Même si je ne vais pas y aller, j'écrirai une dernière lettre qui exprimera mes derniers vœux pour vous. Et tu la confieras à mon amie Rano. Elle et moi sommes en froid à cause du passé. Mais je pense que si elle te voit, sa colère s'apaisera sûrement. Oh. Alors donne. Donne-le-moi. Quoi, une lettre de Rano? Plume et papier pour que j'écrive. Oh, oui. Ah, je vais le chercher. Je vais écrire une lettre. C'est seulement pour toi. Seulement toi. Je t'ai attiré par toi. Avant de te rencontrer.
Oui. Rishi, mais où est-ce que tu vas comme ça? Si Dieu prend ma vie, je le rencontrerai puis je reviendrai. Je me réincarnerai. Rien que pour te voir, Rishi. C'est une promesse que je te fais. J'ai écrit cette lettre à Rano. Malgré la faiblesse qui m'envahit, elle contient tout ce que j'ai à lui dire. N'oublie pas de lui donner. Mamie, je vais la lui donner, Eden. Rano est très fâchée contre moi. Si elle se fâche après avoir lu la lettre, elle... elle peut te donner une raclée. D'accord, donc. D'accord, oui. Elle, c'est à vous le pour elle. Donne-lui la lettre. Oui, remue-lui la lettre. Oui, ma fille, tu le feras toi. Ce sac contient toutes vos affaires. Prenez bien soin de vous toutes. C'est un nouveau départ et une nouvelle vie qui vous attend. Alors ne revenez pas en arrière. Horrible, cette boue. Qu'est-ce que tu fais ici, partons? Allons-y! Allez. Dépêche-toi de venir. Regarde devant toi, d'accord? Ne tombe pas. Allez, dépêche-toi. Plus vite. Il pleut tellement ici. Où sommes-nous maintenant? En plus, il n'y a que de la boue partout où on va. Écoute, vas-y, cherche une voiture et nous, on va t'attendre ici. Allez. Et ce sac, laisse-le avec nous, pars. Il pleut vraiment à grosses gouttes ici. Taxi? 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 Taxi! Taxi!
Dis-moi, que voulais-tu me dire plus tôt ? Quand ? Eh bien, avant qu'il commence à pleuvoir, tu voulais me dire quelque chose. Dis-moi. Allez, dis-moi, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Tu... es en Inde pour me voir ? Je crois que je commence à... Je commence à... Tanu ! Il pleuvait comme aujourd'hui. Cette nuit y ressemble. C'est la première fois que je l'ai vu me sourire. Sincèrement, il pleuvait abondamment. J'adore la pluie. J'aime y jouer dedans et être complètement trempée. Je me souviens que Tanu adorait jouer sous la pluie. Si seulement j'avais le temps de danser sous cette pluie, ce serait vraiment amusant. Non. Si jamais je vais danser sous cette pluie, mes vêtements seront tout trempés. Si jamais je retourne voir mamie pour me changer, elle sera très fâchée contre moi. Je crois que cette pluie ne va pas s'arrêter tout de suite. Ce serait mieux qu'on rentre, non ? Non, on va se tremper. De toute façon, je te trouve encore plus magnifique quand tu es trempée sous la pluie. Allons-y. Imbécile. Attention. Dites, vous n'avez rien, pas vrai? Mon parapluie un instant. Hé, hey, ton parapluie ! Hé, hey, attends ! Gardez-le avec vous, vous en aurez besoin ! C'est toi qui en auras besoin ! Monsieur, plus vite, par là, c'est par là ! Je n'ai pas du tout besoin d'aide ! Hé, hey, reprends ton parapluie ! Hé ! Non mais quel monde étrange ! Nous avons toujours ce que nous ne voulons pas ! Monsieur ! Quoi ? Vous avez fait tomber votre parapluie ! C'est... Non, c'était pas moi ! J'en ai déjà un, je vais pas prendre celui-ci, enfin ! Prenez-le ! Moi non plus, je n'en veux pas ! Gardez-le quand même ! Eh bien... Moi j'en veux pas ! J'en ai marre d'attendre ! Oh bon sang ! C'est Tanu qui arrive ! C'est bien elle ! Oui ! C'est bon ! J'ai trouvé un taxi. Comment t'es-tu trempée autant ? C'est à cause de cette pluie torrentielle. Mais je pense que mes vêtements auront séché en arrivant chez Tantrano. Regardez comme le vent souffle fort, ça m'aidera. Mais où est donc le parapluie ? Quelqu'un était sale et n'avait pas de parapluie. Alors je lui ai offert le mien pour l'aider. Ah ah ! Alors ce garçon était si mignon que tu n'as pas pu te retenir de l'aider. Les filles offrent leur cœur d'habitude et là c'est ton parapluie que tu lui as ? Assez. Aujourd'hui c'est son parapluie qu'elle donne et bientôt ce sera encore pire que ça. Tu commences dès notre arrivée. Non, vous avez mal compris l'histoire. Comme je prenais le taxi, je lui ai offert mon parapluie pour l'aider, pour ne pas qu'il se trempe. Et je me sens bien parce que j'ai pu lui être utile. Ah oui, c'est ça, un garçon. Non, de lui avoir offert ce parapluie. Mais bon, j'espère bien qu'il ne le perdra pas. Ce serait vraiment dommage, car il serait trempé malgré tout. Bref, laisse tomber, partons.
bizarre, ce parapluie. On dirait même qu'il veut me suivre partout où je vais. Aujourd'hui, je ressens ta présence. Aujourd'hui, je sens que... toi... moi... ah... et toute cette pluie... me donne le sentiment que... nous sommes de nouveau réunis. Et que nous dansons ensemble. Tu te souviens? Je t'avais promis que l'on danserait ensemble après notre mariage. Aujourd'hui, je réalise enfin cette promesse. Aujourd'hui, je suis avec toi. Aujourd'hui, je suis très en colère contre moi-même, Tanou. Parce que je n'ai pas du tout su... préserver tes souvenirs. Je m'en veux plus que tout au monde. Moi, je ne t'oublierai jamais. Mais toi, tu n'es plus, Tanou. Je suis même en colère contre toi. J'ai même de la haine envers toi. 20 ans se sont écoulés, Tanou. Mais tu n'es pas revenu. Que puis-je faire ? Je t'aime toujours autant qu'avant, Tanou. Je t'aime toujours autant. Je t'aime toujours autant, tu sais. Je t'aime, Tanou. Tu m'as dit que si jamais tu mourrais un jour, tu te réincarnerais pour revenir me voir dans ce monde. Tanou, mais je te cherche, mais je ne te trouve pas ici. Alors où es-tu, Tanou? Tanou, reviens, s'il te plaît. Tanou, je t'en prie, reviens parmi nous. Tanou, je t'en prie, reviens parmi nous.